Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui l'Elohim Nishmat Rachamim Ben Ozar, Chayabat Tova, ainsi que le Fatra Betasiouni Ben Chayim Aliyam Ramat Chassida Vodo Ben Yudit, et Sarabat Betiruka Betor Shachol Israël. Si vous sortez, vous souhaitez une prochaine étude de Misha contactée à 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Bechorot, Perek Aleph, Mishnah Zain. L'Oratza Livdoto, Orfo, Bekovitz, Meacharav, Bekovro. Mitzvat Pdiya, Kodemet, le Mitzvat Arifa. Shonamar, Vimnotivde, Varavto. Mitzvat Yehida kodemet le mitzvat pediya. Shenemar asher lo yada vehevda. Mitzvat Yibum kodemet le mitzvat chalitza. Barishona, shayu mitkavnim le shem mitzvah. Ve'achshav shayu mitkavnim le shem mitzvah, amru mitzvat chalitza kodemet le mitzvat Yibum. Mitzvat Geula ba'adon hu kodem lechol adam. Shenemar ve'im lo yigel ve'nimkar be'erkecha. On commence avec la première partie de la Mishnah et on va voir, comme c'est fréquent dans la chasse, sans dire on a ouvert un sujet, on va du coup présenter plusieurs sujets où il y a le même principe, vous allez comprendre. L'Oratza Livdoto, tout d'abord. Jusqu'à maintenant, on a parlé, premier pérec de Krohot, on a parlé du Peter Hamor. C'est le sujet le plus facile en un pérec, on a fini l'histoire, par rapport aux autres Bechorot, qui prendront plus de temps, donc on a voulu, c'est fréquent, d'accord. Donc, l'Oratza Livdoto, on a parlé du Peter Hamor, qu'il y avait donc l'ouverture de la matrice d'une ânesse, elle a eu un mâle, un petit ânon, et bien là, il y a une mitzvah de... il y a une gdusha de Bechor. Deux possibilités selon la Torah. Soit tu rachètes la gdusha sur un bouton, ou en contre-valeur, on a déjà évoqué le sujet, tu rachètes la gdusha et tu donnes la contre-valeur au Kohen, ou le mouton au Kohen, ou il y a encore une deuxième solution, tu ne veux rien donner au Kohen, il n'y a pas de Kohen dans les parages, ou peu importe, et bien, tu prends une hache et tu l'énuques. C'est-à-dire, tu pars la nuque, tu prends l'âche, tu lui fracasses la nuque avec, et tu tues l'âne comme ça, et tu l'enterres. C'est ce que la Mishnah, elle m'a enseigné, et la Torah, elle m'a dit explicitement, « Vim lotif de va arafto » si tu ne voudras pas le racheter, « Ve arafto » tu le feras la harifa. Harifa, c'est comme harifa taegla, et c'est la même chose ici, « Va arafto » on fait la harifa, c'est qu'on lui brise la nuque. Ok? C'est ce que la Mishnah m'enseigne. « L'oratza livdoto » s'il n'a pas voulu racheter l'âne, alors, il a l'ânon, il a une deuxième solution, c'est Orfo Bekofitz. Il lui brise la nuque avec un kofitz, un grand couteau, une hache, mais un harav de par derrière, pas par le cou, Bekovro, et après il doit l'enterrer, parce que c'est un Issouré Anahar, on n'a pas le droit de tirer profit de cela. Maintenant, donc on a deux possibilités. La Torah nous a laissé le choix entre deux mitzvot, deux solutions, comment résoudre le problème de la Gdusha, du Bechor, du Peter Hamor. Soit tu rachètes la gdusha, tu donnes le Kohen, soit tu la nuques. La Mishnah va enseigner maintenant qu'il y a une priorité entre les deux. Mitzvat Pdiya, Kodemet et Mitzvat Arifa. La mitzvah de racheter la gdusha, elle est prioritaire, elle devance, elle est plus importante que la mitzvah de lui briser la nuque. On préfère a priori que tu lui rachètes la gdusha plutôt que tu lui brises la nuque. Chenemar, comme le pasuk nous dit explicitement, Vim lotif de, et si tu ne rachèteras pas, alors dans ce cas-là, va avto, tu lui briseras la nuque. Mais a priori, je préfère que tu le rachètes. D'accord? Donc en fait, on a la Torah qui nous a dit, a priori, agis comme ça, et a posteriori, comme ça aussi, ça marche. Du coup, la suite de la Mishnah va se mettre à comparer encore d'autres domaines de Torah, où la Torah nous a laissé le choix entre deux options, en nous précisant que, sache que cette option-là, elle est plus voulue et appréciée du ciel que l'autre. Mais si tu n'as pas le choix, tu feras l'autre. On a par exemple Mitzvat Yehida Kodemet et Mitzvat Pedia. Lorsqu'on achète la Hama Ivriya dans Parashat Mishpatim, on a parlé là-bas de la Hama Ivriya, de la jeune servante juive que le père vend. On a un père a un droit de vendre sa fille en servante elle n'a pas encore atteint sa majorité religieuse. C'est 12 ans. Elle est encore petite fille. D'accord, c'était fréquent, j'imagine, à l'époque. J'imagine quand il n'y avait pas la sécurité sociale. Je ne sais pas, c'était... Bon, en tout cas, je ne sais pas combien ça existait, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pouvait exister qu'un père y vende sa vie en servante. Lorsqu'arrive le terme de cet esclavage, soit elle sort, parce que ça y est, elle a fini son contrat, elle a été vendue pour 6 ans jusqu'à qu'elle devienne adulte, ou soit avant qu'elle devienne adulte, on a encore deux possibilités. Le père, il peut soit la racheter, payer donc pour la libérer, ou soit, si le maître
qu'il a acheté, il veut, il peut aussi se marier avec elle. C'est ce qu'on appelle le yéhoud. Soit il y a le yéhoud, le fait de se marier avec elle, c'est spécial, ça a des définitions un peu différentes. D'accord, il se marie avec sa petite servante, en fait, il la prend femme. Et c'est plus voulu, justement, comme ce que la Mishnah avait nous enseigné, plus que si on l'a racheté, qu'on l'a libéré. C'est beaucoup plus, j'imagine, je ne sais pas si c'est la raison, mais je suppose que c'est probablement ça, c'est plus affligeant pour la fille, ensuite, d'avoir été libérée, d'avoir été une servante quand elle était jeune fille. Alors que si elle est devenue la femme, alors non, c'est devenu la femme, on ne fait pas attention, c'est sa femme aujourd'hui. Et ce que la Mishnah enseigne, mitzvah yehida kodemet le mitzvah pedia, la mitzvah de se marier avec la fille, est prioritaire sur la mitzvah de la faire racheter, de la faire libérer par le rachat pour la libérer. Shenema, comme nous dit le verset, Asher lo yehada vehevda. S'il ne l'aura pas mariée, alors il la fera racheter. D'accord ? Autre comparaison encore, le Yiboum et Khalitsa. Lorsque un frère, il y avait deux frères, un des deux meurt sans avoir laissé d'enfant. L'autre frère a la misère de prendre sa femme et de faire le Yiboum. Il la prend en femme, ça devient maintenant sa femme. Et dans l'espoir qu'il va avoir un enfant d'elle et que cet enfant, il va lui, quelque part, continuer son père est son oncle en fait, le père défunt quoi, et quelque part ça va donner une suite à sa progéniture, il héritera de ses biens et tout ça, d'accord. Maintenant, la Torah nous a dit, si tu ne fais pas le hiboum, s'il ne fait pas le hiboum, alors il devra faire la khalitsa, il y a une autre solution, c'est de libérer la femme, c'est tout un rituel, en ce que la femme elle va lui enlever la chaussure, elle va lui cracher dessus, ça c'est du yisonam, dans ma sekhati yavamot. Donc, sache que maintenant il y a une priorité entre les deux. A priori, il vaut mieux faire le yiboum que la khalitsa. Mais, alors comme ça, mitzvat yiboum kodemet le mitzvat khalitsa, la mitzvah du yiboum, elle est plus voulue, désirée, appréciée que la mitzvah de khalitsa, que la mitzvah de lui retirer la chaussure. Cependant, barishona, ça c'était que à l'époque, au tout début, shayu mitkavnim leshem mitzvah, où les gens avaient l'intention de le faire au nom de la mitzvah. Mais à présent que l'on n'a pas l'intention de le faire au nom de la mitzvah, alors Amro, mitzvah khalitsa kodemet le mitzvah yiboum. Ils nous ont dit que dans ce cas-là, il vaut mieux faire la khalitsa plutôt que de le faire le yiboum. Et là, on explique très rapidement. Et il y a quelque chose de très délicat. Vous savez bien qu'une des graves incestes de la Torah, c'est le frère qui va avec la femme de son frère. C'est une inceste, même s'il l'a divorcée. Et mieux que ça, même, s'il avait deux frères, où chacun avait des enfants, et un des deux frères décède, le frère n'aura pas le droit de se marier avec sa belle-sœur, c'est une inceste, c'est un chriouf karet. C'est très grave, d'accord. C'est un des cas d'inceste, presque au même titre que d'aller avec sa sœur, quoi. D'accord. Même si le frère, il est parti, et sa femme reste la femme de son frère pour l'éternité, à la différence de deux sœurs. Un homme n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur, mais si sa femme décède, il aura le droit de se marier avec sa belle-sœur. D'accord. Dans ce sens, oui, mais pas dans le sens. Par rapport à la femme de son frère. C'est très grave. Cependant, au nom de la mitzvah Yiboum, la Torah nous a dit, s'il veut, il pourra se marier avec cette belle-sœur. Il aura une mitzvah de se marier avec cette belle-sœur pour donner une progéniture à son frère défunt. Alors, il y avait à l'époque, ça va être discuté, ça ne va pas rester comme ça pour la halakha, mais en tout cas, il y a un avis dans la Gemara, en tout cas, qui existe comme ça, qui nous dit, c'est ça, cette possibilité de se marier avec sa belle-sœur, de transgresser l'interdit, la grave inceste de la belle-sœur, au nom de la mitzvah, ça a été donné que si l'intention des deux, elle est l'échem mitzvah, avec l'intention de faire la mitzvah. Mais si toutefois, il s'intéresse à la femme, comme ça, il dit, oh, tant mieux, comme ça, j'ai trouvé un chidour, a posteriori, bon, il va, ouais, parce qu'il la trouve belle, parce qu'il la trouve intéressante, parce qu'il la trouve, mais pas au nom de la mitzvah, eh bien, le manque d'intention pure de le faire au nom de la mitzvah, va faire qu'à présent, il va ressembler à une inceste très grave. Dans ce cas-là, il vaudra mieux pour lui faire la khalitsa. Parce que la Mishnah m'a enseigné que, à l'époque, lorsque les gens étaient purs dans leurs intentions, eh bien, on parle de la Mishnah qui parle de ça, donc j'imagine que c'était à l'époque des Dédés, je ne sais pas de quand. Mais en tout cas, au tout début, à l'époque, initialement, lorsque les gens avaient l'intention de le faire vraiment pour donner leur progéniture à son frère, alors la mitzvah yiboum était prioritaire sur la mitzvah khalitsa. Mais à notre époque, mais à une époque plus tardive, où il y avait des intentions moins pures, eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux faire la khalitsa que le hiboum.
Pour la halakha, on retient rien de tout ça, parce que la halakha, elle établit qu'il n'y a aucune différence, quelle que soit l'intention pour laquelle on se marie, puisque la femme a été permise, elle a été permise, un point, c'est tout. Donc il n'y a plus de problème d'intention. Cependant, si vous avez déjà eu des échos, à notre époque, les Ashkenazim ne font pas le hiboum, et les Sfaradim, oui. C'est fréquent, j'ai déjà entendu des cas où un frère s'est marié avec sa belle-sœur chez les Sfaradim. Tandis que chez les Ashkenaz, non. Chez les Ashkenaz, ce qu'ils ne font pas, c'est pas à cause de cette Mishnah, mais c'est parce que tout simplement des Tzavat, Rabbi Yehuda Chassid, il y avait à l'époque des Rishonim, un Rabbi Yehuda Chassid, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de Tzavaot, beaucoup d'ordres, de choses à ne pas faire, que les Ashkenaz en général ont adopté, et pas tellement chez les Sfaradim, comme par exemple l'histoire si la femme a le même nom que la mère du mari, ou bien deux frères qui ne se marient pas avec deux sœurs chez les Sfaradim. On trouve, dans certaines situations, je connais plusieurs cas, j'ai même dans la famille un cas pareil, mais deux frères mariés à deux sœurs. Chez les Ashkenaz, ça n'existe pas. Parce qu'il y a les Tzavot, Rabbi Yehuda Chassid. D'accord ? On continue maintenant la Mishnah avec, encore une fois, une comparaison de deux options que la Torah nous laisse, qui sont Mitzvat Geula Ba'adon, Hu Kodem Nechol Adam. Il y a, lorsque je sanctifie, si je sanctifie un animal, mais au Bedek Abayit, à la trésorerie du Bet HaMikdash, pas pour en faire un korban, je fais cadeau d'un animal. Alors, je ne sais pas pourquoi le partenariat il est limité ça en fait à un animal. Ça pourrait être n'importe quel bien à mon avis, mais je ne sais pas. Je ne veux pas m'engager à parler plus que ce que je connais. Mais en tout cas, le partenariat il est limité ça sur l'animal. Donc je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai sanctifié quelque chose pour la trésorerie du Bet HaMikdash. Maintenant, il va falloir le racheter parce que le Bet HaMikdash il n'a rien à faire avec ça. Il faut préférer le vendre, récupérer de l'argent et en faire acheter ce qu'il a besoin, réparer ce qu'il veut faire ou peu importe. D'accord ? Donc là, a priori, mitzvat geula ba'adon, la mitzvah de libérer, de racheter donc la chose qui appartient au Bédagunage, parce que par là, ça va être un rachat, puisque je vais donner l'argent en contrepartie de la chose qui est kadosh. Hu kodem lechol adam. Le maître a priorité sur n'importe qui. C'est-à-dire, si moi j'ai sanctifié mon animal au Bédagabait, à la trésorerie, et puis je veux le racheter et quelqu'un d'autre veut venir le racheter, je suis prioritaire moi pour le racheter. Pour quelle raison? Parce que je rajoute un cinquième. Il y a une taxe spéciale pour le propriétaire de la chose qui va venir le racheter. Il rajoute un cinquième et puis on est intéressé à enrichir au maximum les caisses du Bet HaMikdash. Alors de ce fait, mitzvah de Geula Ba'adon vehuk ukodem lechol adam. La mitzvah a priori de racheter la Gdusha, elle est sur le propriétaire, sur le Adon. Ukodem lechol adam. C'est lui qui est propriétaire sur tous les hommes. Parce qu'il rajoute le chomesh, comme ce que le Batel Noam dit. Chez Neymar, comme nous dit le verset, Vimlo Igael Venim Karber Kecha. Le passage nous dit, et si toutefois le maître ne va pas libérer la Gdusha, alors on le revendra à sa contre-valeur. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov. Salam.